19h, un nouveau jour, un nouveau stream, et nous n'en avons pas fini d'explorer les entrailles de tous ces shmups incroyables qui ont essaimé les années depuis la fin des années 60. Aujourd'hui, on va retourner en 1984 sur un jeu que peut-être pas grand monde d'entre vous a connu et qui, à moi d'ailleurs, ne me dit pas grand-chose non plus. Il s'appelle Sion. Et Sion, ben, on va voir s'il est aussi sympathique que son flyer, qui est quand même. Ben, ça fait envie, quoi. Sachant que je le rappelle, nous sommes en 1984. Donc vous voyez le flyer? Ok, mémorisez-le bien. Mémorisez-le, allez-y, prenez votre temps, c'est bon, c'est prêt. On y va. Maintenant le jeu. Oui, je vais pas faire de commentaires. Alors, si vous avez un système Prologique chez vous, c'est le moment de l'enclencher. Je sens qu'on va avoir du gros son. Parce que oui, pour ne pas casser, je le rappelle, hein, ça fait partie de l'époque arcade, c'est les petits détails, ça. Pour ne pas casser les oreilles des pochetrons dans les bars où étaient généralement installées les bornes d'arcade, qui étaient déjà assez énervées quand quelqu'un mettait des pièces dedans et que ça se mettait à couiner. Bah, les parties démo, elles, ne faisaient pas de bruit, c'était la tradition. Comme ça, on pouvait s'alcooliser en toute tranquillité avant qu'un lycéen pénètre dans l'établissement. Vous voyez, il y a une logique quand même dans l'alcoolémie dans notre beau pays. Comment ça, c'était gratuit? Non, pas du tout, pas du tout, c'est fair play. Bah, on va essayer, hein. On est au royaume de la couleur chatoyante. Il va y avoir des bonus à récupérer, peut-être des fois, surtout dans ce vaisseau-là qui a l'air de trimballer un truc. Et si ça se trouve, c'est jouable. Donc je vais ranger ma médisance gratuite. Et puis on va voir. Moi, ces patterns, ils m'inspirent pas. 15, ça devrait aller. Alors j'ai un piou-piou. J'ai peut-être un. Non, j'ai pas de deuxième piou-piou. Yes. Ah si, maintenant j'ai un. Putain, mais. Ils sont attirés comme des aimants vers moi. Ah, kaboum! Alors pour l'instant, c'est jouable. Hein. Non, je ne dis pas ça parce que je gagne. Arrêtez de faire vos langues de vipère, c'est incroyable ça. C'est que c'est vraiment jouable. Alors c'est intéressant du coup parce qu'on a des objectifs en l'air. Ouh, ça a failli mal se passer. Et puis des objectifs en dessous, on doit tout kaboum. Donc pour l'instant c'est plutôt sympa puisque ça reprend rien d'autre que le gameplay de Xevious. Mais avec cette petite partie chiante qui vous occupe et qui vous fera faire forcément une connerie à un moment ou à un autre. Ils ont été un peu exigeants pour la visée là. Pas par derrière on avait dit. Ah mais j'ai un nombre limité. Damne. Damne, damne, damne. Redonne-moi ça, toi. Ouais, ça a l'air mieux. Dans mon matricule. Y aurait-il un boss à la fin de ça? Là, je serais subjugué, du coup. Alors, vous le sentez, toute forme de médisance vient de disparaître chez moi. Parce que, bah, malgré les moyens limités, je le trouve bien foutu, ce truc. Oh, les enflures. Faut les mériter, hein, les trucs à bombarder. Et oui, comme disait Jack Burton, tout est dans le réflexe. Ouh là 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 là, ça va mal se terminer quand même. En fait, le tableau boucle sur le même décor tant que vous n'avez pas atteint un certain nombre de pièces détruites au sol. Moi, ce jeu, je le trouve bien du coup. Parce que, vu qu'il est moche, il a profité de tout ce qu'il avait sous la main pour montrer autre chose et dévoiler un intérêt, c'est son gameplay. Et son gameplay, il est super bien foutu. C'est jouable. Là, ils me font un peu la panique. Et ils sont gentils parce que je pense qu'il y aurait moyen de me foutre. Je vois pas ce qu'il faut péter au départ. On va dire les petits hexagones.
Ah, j'ai plus de bombes. Et du coup, oui, ça fait plaisir d'avoir un jeu comme ça qui, bah, il va pas venir frimer sur ses graphismes, il va pas venir frimer sur ses abos qui sont nucléairement en avance sur tout le monde. J'ai vu quelque chose en bas ou pas? J'ai pas le temps de voir. Oui, je l'ai vu. C'est bien ça qu'il faut dégommer. Putain, je dégomme tout le temps les mauvais. Donne-moi le ça, voilà. Merci. Et oui, ce saut dit merci. Raté. Essaye encore. Presque. Bah, qu'est-ce que je casse encore, moi, les gars? Ah, là, c'est moins explicite, du coup, ça. Non. Je cherchais un truc à casser, mais je vois pas trop. It's me! Alors, du coup, faites abstraction de ces vilains graphismes et de cette musique un petit peu limitée, quoi. Merde. On va continuer, si c'est possible. Hein. Et mettez-vous... Ouais, faites un focus uniquement sur le gameplay, vous allez voir. C'est jouable. C'est fucking jouable, quoi. Ça, je peux pas les récupérer s'il y a un ennemi qui se jette dessus. Ça se casse, ça? Bon. Ça se casse, ça? Bon. Chaque fois que je vais me positionner sur un truc à bomber, je me fais bananer. Quel dommage. Yuka-chan. Est-ce qu'on sort fait un? Par curiosité, allez, mais je sais même pas certain que je joue mieux. Donc gameplay assimilé en pas longtemps. Jouabilité, nickel. Bah Sion, tu es validé. Hein. Alors ça fait un peu bizarre de jouer à ça en 2018. Mais du coup, c'est super rigolo. Puis ils font la misère, les fumiers. Je vous avais prévenu que je jouerais peut-être moins bien sur la deuxième saison. Personne ne m'écoute à chaque fois. Pourtant, c'est pas faute de prévenir. Hein. Et quand vous ramassez votre vaisseau bonus, s'il se fait toucher par un autre vaisseau, c'est foutu, vous l'avez dans bah, ce qui rime avec bonus. Hein. Haha, kaboum! Belle surprise! Je m'attendais vraiment à un sale moment. Alors, c'est vraiment dommage parce que ce jeu-là, avec d'autres graphes, il casserait la baraque, quoi. Ce serait classe s'il y avait un boss. En fait, c'est pour ça que je refais une partie. C'est si les gars ont pensé à rajouter en plus un boss, c'est la grosse classe. Hein. Bon, un petit moins pour la musique David Guetta. Ah, faut que j'en chope du bonus. Je l'ai même pas eu. Quelle damnation saloperie. Bien pondu là. J'aurais pu me le compter celui-là quand même. Pas très fair play. Ah, j'ai déjà plus de... Ah oh, je pouvais pas tirer dessus. Je suis malheureux. Et il me pète mon bonus. Ouais, mais toi, fallait tirer combien de fois sur ta gueule? Apparemment, si vous mettez trop de temps à dégommer les objectifs au sol, il se met à monter en difficulté pour vous faire un peu de misère. Et vous faire comprendre que vous êtes en train de camper là, sur la partie du jeu. Yes! Un petit quatrième niveau. Un petit boss. Fais-nous une belle surprise. Tu peux le faire. Oui, je suis plein d'optimisme d'un coup. Et oui, mes doutes se sont totalement effacés et je crois en ce jeu.
et ses décors faramineux. 4 couleurs les gars, respectez. 4 couleurs. Aïe. J'ai mal. Oh putain, tout à côté. Non mais je fais exprès. Faut vraiment les plier au milieu ceux-là. Hein. Oh putain. Faut vraiment s'arrêter pour poser son tir bombé, sinon c'est pas possible. Il est un peu chaud sur ça. J'espère qu'il va pas s'amuser à réduire les cases. Les cases de hitbox. Oui, des fois c'est plus facile en anglais. A chaque fois, il y a un ennemi pile au moment où je veux me positionner pour pouvoir bomber ce truc. Game over. Et oui. Bon, dommage, on ne verra pas. Mettez-le dans les sélectionnés, ce jeu. Il est intéressant. En plus, vous avez vu, il est jouable. Malgré combien 30 ans dans le nez. 40 ? Oui. Non, 30. Eh ben. C'est chouette. Sion, tu es sélectionné. Gloire à toi, petit vénard. Tu mérites ce beau flyer puisque tu tiens tes promesses et tu procures de l'amusement, étrangement, malgré ce temps passé. Et du coup, ben, si vous aimez les jeux avec des gros carrés, comme ça que ça vous rappelle votre premier shooter sur Amiga ou ST par exemple, ouais. Jetez un œil à Sion, ça pourra vous faire des petits moments myrtilles de South Park, comme on dit. Je vous laisse avec les streams habituels, c'est-à-dire la playlist généraliste, la playlist des shmups. Et vu que je ne suis jamais avare, je vous laisse en plus un petit stream surprise. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao.